maîtresse d'école était si jolie qu'on venait de loin pour la regarder. De toutes les curiosités du pays, c'était ma maîtresse la plus visitée. Ma maîtresse d'école avait la silhouette comme les majuscules de nos cahiers, toujours élégante et toujours bien faite, avec de beaux pleins et de beaux déliés. Ma maîtresse d'école était si coquette que toutes ses collègues la jalousaient. Bien sûr, elle ne portait pas de lunettes, c'était pas de sa faute si elle y voyait. Bien sûr, elle portait des jupes indécentes, c'était pas de sa faute si au lieu d'avoir les genoux faits pour des chaussettes montantes, elle avait des jambes qui se laissaient voir. Ma maîtresse d'école était courtisée par le directeur et ses deux adjoints. Ça nous permettait de faire un tiercé que l'on commentait le lundi matin. Le lundi matin, on pouvait la voir sur le porte-bagage d'un pion rayonnant. On se bousculait le long du trottoir afin d'applaudir le vélo gagnant. Ma maîtresse d'école était un scandale aux yeux des bigotes qui organisaient des manifestations dominicales avec des pancartes où elles écrivaient: pour sauvegarder la moralité, chasser ce démon de la communale. C'était pas l'avis de monsieur le curé, qui trouvait que le diable n'était pas si mal. Ma maîtresse d'école avait la manière d'enflammer les hommes sans les allumer. C'était la coqueluche des célibataires, mais nous en avions l'exclusivité. J'ai la larme à l'œil lorsque je repense à ce dernier jour de l'année scolaire. Pas un a crié « Vive les vacances !» quand elle est partie sur son petit scooter. Ma maîtresse d'école était si jolie qu'on venait de loin pour la regarder. De toutes les curiosités du pays, c'était ma maîtresse la plus visitée.